et bienvenue dans le guide e-sport de la semaine. Vous venez de faire la mise à jour de Fortnite et vous vous demandez ce qu'il y a comme nouveauté? Pas de panique, on vous donne la plus importante. Un nouveau boss est apparu sous le nom de Predator. Il possède un objet que de nombreux joueurs vont vouloir s'arracher. Mais avant d'y parvenir, il faudra le trouver. Dans cette vidéo, nous allons vous donner des conseils pour trouver Predator sur la carte. Alors qu'un skin du nom de Predator est disponible depuis plusieurs jours, voilà qu'un boss du même nom fait son apparition. Pour pouvoir le trouver, vous devrez vous rendre à Steel Sea Stronghold, qui se trouve dans la partie nord-ouest de la carte. Vous pensiez avoir tout vu avec le boss Iron Man? Détrompez-vous, lorsque vous aurez trouvé Predator, ne le lâchez pas des yeux, il a la capacité de devenir invisible. Alors pour venir à bout de ce monstre, vous devrez tendre l'oreille pour entendre ses bruits de pas. Vous pouvez également le chercher à l'aide de votre viseur, car même invisible, si vous passez sur sa silhouette, il changera de couleur. Une fois que vous connaissez sa position, évitez à tout prix le corps à corps. Il court très vite et ses coups de griffe peuvent être dévastateurs, infligeant chacun 20 points de dégâts. De plus, il possède énormément de boucliers, avoisinant les 100 points de vie au total. Privilégiez donc les combats à distance, notamment avec des fusils d'assaut. Une fois que vous l'avez vaincu, vous pourrez récupérer sur lui le camouflage optique. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de The Weekly Tips.